Goeiedag iedereen, bonjour à tous. Sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Jacobs pour un point sur la situation épidémique dans notre pays. Bonjour à tous, goedemorgen allemaal. Alors comme d'habitude, les chiffres de les tendances actuelles. Alors au cours de la semaine écoulée, nous avons eu 4240 nouveaux cas qui ont été identifiés en Belgique. C'est donc une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente, ce qui confirme l'évolution vers un ralentissement de l'augmentation. Alors nous observons toujours le plus grand nombre de cas dans la province d'Anvers, avec plus de 1300 cas qui ont été diagnostiqués, soit un tiers de tous les cas en Belgique. Mais on constate, comme les jours précédents, une diminution régulière avec aujourd'hui une baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Alors par contre, on constate le plus grand nombre de nouveaux cas dans la région de Bruxelles-Capitale. 750 nouveaux cas ont été diagnostiqués ici la semaine dernière. Ce nombre continue à augmenter avec des augmentations soutenues d'environ 50%, ce qui correspond à un doublement toutes les deux semaines. À Bruxelles, on constate également une augmentation régulière de nombre de cas effectués avec désormais 12 tests pour 1000 habitants par jour, ce qui est en ligne avec la moyenne belge. En même temps, le taux de positivité continue à augmenter. Nous atteignons maintenant des valeurs de 6%. Si l'on considère les autres provinces, on a la plus forte augmentation en Flandre occidentale, avec une augmentation d'environ 50% par rapport à la semaine précédente. Cependant, ce sont encore de petits chiffres en nombre absolu, 240 la semaine dernière. Et on sait qu'une partie importante de ces chiffres positifs proviennent d'une contamination dans une usine de viande. Dans les autres provinces, on constate des évolutions favorables. En province de Liège, par exemple, on constate désormais une baisse de la moyenne hebdomadaire. Si l'on reprend maintenant les admissions à l'hôpital, on continue à avoir une augmentation régulière avec en moyenne 33 admissions par jour. Il faut rappeler qu'il y a un mois, on était à 10 admissions par jour. Alors, on constate également une augmentation significative du nombre de décès, alors qu'on avait avant 2 à 3 décès, parfois des pics allant jusqu'à 5 décès par jour. Nous avons constaté une forte augmentation du nombre de décès depuis le début de la semaine, avec 11, 13 et 9 décès observés respectivement les 3 premiers jours de la semaine. Il faut savoir que les 3/4 de ces personnes décédées étaient des résidents de maisons de repos et de soins qui sont décédés à l'hôpital ou dans la maison de repos. Et la plupart de ces décès ont lieu dans les provinces de Hainaut et d'Anvers. Alors, il faut quand même remarquer que cette augmentation coïncide avec la période de chaleur extrême que nous avons eue, avec des concentrations d'ozone extrêmement élevées. Et nous savons que chaleur et ozone peuvent affecter les personnes âgées et les populations les plus faibles. Il n'est donc pas impossible que ces deux facteurs aient joué conjointement pour expliquer ce pic de mortalité. Nous ne savons pas exactement lequel de ces facteurs a contribué au décès. Alors, après ces chiffres, nous avons deux messages. Le premier est lié à un rapport rédigé par Sienzano sur les enfants atteints de COVID et qui résume un certain nombre de données depuis le début de l'épidémie jusqu'au 28 juin, qui est la période où l'épidémie était fortement diminuée. Alors, dans ce rapport, on définit les enfants par toute personne âgée de moins de 18 ans. Alors, le premier point repris dans ce rapport est le nombre de tests COVID-19 réalisés chez les enfants. Alors,
On sait que le nombre total de cas confirmés de COVID-19 chez les enfants est faible. Les enfants sont moins testés que les adultes, environ la moitié de tests que chez les adultes. Mais on sait que le test est proportionnellement moins souvent positif également que chez les adultes, puisqu'on retrouve un taux de positivité de 1,8%, ce qui est à mettre en relation avec le taux chez les adultes qui est de 6,3%. Alors, la figure qui vous est présentée maintenant représente le nombre d'enfants testés et le pourcentage de ces enfants ayant eu un test positif. C'est ce qu'on appelle le taux de positivité et c'est exprimé par âge. On voit que le nombre de tests effectués est le plus élevé chez les enfants de moins d'un an. Et le taux de positivité est plus élevé chez ces enfants-là, et ce, à partir de 13 ans. Le deuxième point du rapport reprend les données scolaires. Ces données ont été collectées par les CLB flamands et leurs homologues wallons, les services de promotion de santé à l'école. Et ces services ont pour mission la prévention des maladies infectieuses à l'école. Au total, nous avons 378 cas qui ont été signalés à l'école, dont 270 élèves et 108 membres du personnel. Assez logiquement, la majorité des cas, 69%, ont été notifiés après le 15 mai, qui est le moment où les cours ont progressivement repris en présentiel. La conséquence de la détection de cas positifs à l'école a été la mise en quarantaine préventive de 4715 personnes. Ces 4715 personnes incluent pour 94% des élèves et 6% des enseignants. Alors, on remarque que le nombre d'infections secondaires, c'est-à-dire le nombre de personnes détectées positives que l'on peut mettre en relation avec un contact à l'école, est seulement de 11%, de 1%, pardon, est seulement de 1%, ce qui est à mettre un petit peu en relation avec ce qu'on voit dans les familles où on trouve 10 à 20% de contamination secondaire. Alors, ce pourcent de cas secondaires est représenté par 11 membres du personnel, ce qui correspond à 4,7% des membres du personnel mis en quarantaine, et 36 élèves, ce qui correspond à 0,8% des 4472 élèves en quarantaine, et qui ont probablement été contaminés dans le cadre de l'école. Le troisième point du rapport reprenait la surveillance clinique des patients hospitalisés. Il faut savoir que ce rapport reprend à peu près les données de 70% des enfants et qu'elle n'inclut pas les patients atteints de cette forme de Kawasaki qui a été attribuée au COVID-19 et qui bénéficie d'une surveillance séparée. Alors, le rapport reprend 267 enfants hospitalisés dans 56 hôpitaux, ce qui représente 1,6% du nombre total d'enfants détectés positifs. C'est faible si on compare au nombre d'adultes qui sont hospitalisés, où on se retrouve à 10%, mais ça peut augmenter dans une population plus âgée, bien entendu. Alors, la plupart des enfants ont été diagnostiqués, comme pour les adultes, dans la semaine du 22 au 28 mars 2020. C'est montré sur le schéma que vous avez sur l'écran. Alors, il y avait un petit peu moins de garçons que de filles, mais la différence n'est pas énorme, 47% et 52%. Et ce qui est important, c'est que 47% des enfants avaient moins d'un an et surtout moins de 3 mois. Ceux de moins de 3 mois représentent à peu près un tiers des patients hospitalisés, mais on sait que ça peut s'expliquer par le fait que la fièvre chez les enfants de moins de 3 ans est un signal d'alarme et nécessite une mise au point et éventuellement une hospitalisation plus rapide que chez les enfants, que si les enfants sont plus âgés. Alors, l'admission était rapide par rapport à l'apparition des symptômes, en général un jour, et ces symptômes étaient principalement de la fièvre et de la toux. Et l'admission à l'hôpital le séjour à l'hôpital était de courte durée puisqu'il était en médiane de 3 jours.
Alors, si on reprend les patients hospitalisés pour lesquels on a les données disponibles, on se rend compte que seulement 13% des enfants avaient des maladies sous-jacentes, hein, des facteurs de comorbidité. Et parmi ces facteurs de comorbidité, on trouvait surtout l'obésité, l'immunodéficience et le diabète. Alors, des complications sévères ont été observées chez 38 enfants, soit 19% des gens hospitalisés, et la complication la plus fréquente était la pneumonie associée au COVID, que l'on trouvait dans 9%. Mais il faut remarquer que seulement 3% des enfants ont nécessité une admission aux soins intensifs. Et les complications les plus sévères ont été observées chez les enfants de plus d'un an et non pas chez les enfants de moins de 3 mois qui étaient plus souvent hospitalisés. Alors, il n'y a pas eu de décès parmi les enfants pour lesquels les données de sortie étaient disponibles, mais on sait qu'un enfant, un décès a été observé chez une petite fille de 12 ans au cours de la période concernée par ce rapport. Je rappelle également qu'on a déploré le décès d'un enfant de 3 ans, mais c'est en dehors de la période suivie par ce rapport. Alors, on peut conclure de toutes ces données que les enfants développent moins souvent des symptômes liés au coronavirus que les adultes, que les infections secondaires surviennent moins souvent à l'école que par exemple à la maison, et que les enfants développent rarement des complications sévères. S'ils doivent être hospitalisés, ils restent en général peu de temps à l'hôpital. Alors, le deuxième message que nous voudrions vous faire passer, c'est la modification des codes couleurs pour les pays européens. On sait qu'à 16 heures aujourd'hui, les codes couleurs des pays européens seront à nouveau ajustés sur le site des affaires étrangères. Comme vous le savez, nous vous déconseillons de vous rendre dans une zone orange. Il est en principe interdit de voyager dans une zone rouge. Au retour d'une zone rouge, vous devez vous faire effectuer un test et aller en quarantaine pendant 2 semaines. Ceci est également recommandé au retour d'une zone orange, surtout si vous avez effectué une activité à haut risque. Et ces activités à haut risque consistent principalement en des visites familiales ou une participation à la vie nocturne. Vous verrez qu'un certain nombre de régions vont bientôt changer de couleur et on voudrait vous mettre en garde particulièrement pour l'Espagne et la Roumanie où le niveau de contamination est très élevé, il peut même peut-être être plus que ce qui est mentionné. La plupart des régions roumaines deviennent rouges. Malte devient rouge également. Alors les voyages présente toujours un risque et comme vous avez pu le constater, la situation en Europe peut changer rapidement. Veillez toujours à regarder la situation de votre destination, choisissez en principe les zones vertes et respectez les règles de base à tout moment, même à l'étranger. Je vous remercie pour votre attention. Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde. Het is weer tijd om u de nieuwe cijfers te presenteren. De afgelopen week werden er in totaal 4.240 nieuwe gevallen vastgesteld in België. Dat is een verdere stijging met 9% in vergelijking met de week ervoor. Het aantal besmettingen neemt in België dus nog steeds toe, maar de toename vertraagt weliswaar geleidelijk aan verder. Het grootste aantal nieuwe gevallen stellen we nog steeds vast in de provincie Antwerpen. Hier werden de afgelopen week ruim 1.300 nieuwe gevallen vastgesteld. Dit is ongeveer 1/3 van alle gevallen in België. Maar net als de voorbije dagen zien we dat in Antwerpen het aantal nieuwe gevallen geleidelijk aan het afnemen is. Vandaag opnieuw een verdere lichte daling van 3% in vergelijking met de cijfers van de week daarvoor. Behalve Antwerpen zien we momenteel het grootste aantal nieuwe gevallen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hier werden de afgelopen week zo'n 750 nieuwe gevallen vastgesteld. En dit aantal blijft toenemen.
Ondertussen met zo'n 50% in vergelijking met de week daarvoor. En dit komt dus overeen met een verdubbeling van de cijfers elke 2 weken. In Brussel zien we weliswaar ook een gestage toename van het aantal uitgevoerde testen. Nu zo'n 12 testen per 1000 inwoners op weekbasis. En dit komt overeen met het Belgische gemiddelde. Ondanks de toename van het aantal testen zien we ook dat het percentage positieve testen blijft stijgen in Brussel. En deze week bedroeg dat ongeveer 6% van de testen. Dit wijst ook op een sterke lokale circulatie van het virus in het Brusselse. Wat de andere provincies betreft, zien we de grootste toename in West-Vlaanderen. Ook een toename van 50% in vergelijking met de week ervoor. In West-Vlaanderen gaat het echter nog om relatief kleine aantallen, 240 in de afgelopen week. En bovendien is een belangrijk deel van die stijging waarschijnlijk ook te wijten aan de uitbraak in het bedrijf Westvlees. In de andere provincies zien we ondertussen wel gunstige evoluties. Ook in de provincie Luik, daar zien we nu sinds enige tijd ook een daling van het weekgemiddelde. Dat is goed nieuws. Wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, merken we nog steeds een gestage toename. Ondertussen gemiddeld 33 nieuwe opnames per dag. U moet weten dat we ergens begin juli aan gemiddeld 10 opnames zaten per dag. Dat is dus meer dan verdrievoudigd. Wat het aantal overlijdens betreft, zien we een forse toename in de voorbije dagen. Vorige week bijvoorbeeld noteerden we elke dag ongeveer 2 tot 3 overlijdens, met soms een uitschieter van 5 overlijdens per dag. Maar sinds het begin van deze week is er een sterke toename, met name 11 overlijdens op maandag, 13 op dinsdag en ondertussen reeds 9 op woensdag. 3/4 van deze overleden personen waren rusthuisbewoners. Deze mensen zijn ofwel overleden in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum zelf. En de meeste overlijdens vonden ook plaats in de provincies Henegouwen en Antwerpen. Deze toename valt samen met een periode van extreme hitte en verhoogde ozonconcentraties. We weten dat hitte en ozon, net als het coronavirus, voornamelijk slachtoffers maakt onder het oudere deel van de bevolking, die vaak in een fragiele gezondheidstoestand verkeert. En het is daarom mogelijk dat al deze factoren, hitte, ozon, coronavirus, samen hebben bijgedragen tot deze sterftepiek. Het is echter nog te vroeg om dit met zekerheid te kunnen concluderen. En om precies te kunnen stellen wat de relatieve bijdrage geweest is van elk van deze factoren. We blijven deze toestand natuurlijk verder opvolgen. Vervolgens zouden we u de resultaten willen presenteren van een grote studie over COVID bij kinderen in België. Het rapport van deze studie zal vandaag gepubliceerd worden op de website van Cienzano. Het gaat om cijfers die we verzameld hebben in België sinds het begin van de epidemie in maart tot en met 28 juni. Het bestrijkt dus iets minder dan 4 maanden. En met kinderen bedoelen we hier iedereen jonger dan 18 jaar. Betreft het aantal testen dat werd uitgevoerd. Op deze figuur ziet u het totaal aantal kinderen dat getest werd in deze periode. Als ook het percentage positieve testen in functie van de leeftijd. Over het algemeen kunnen we stellen dat er minder getest werd bij kinderen dan bij volwassenen. Ongeveer 50% minder. Zeker in het begin van de epidemie was dit het geval. Dat komt omdat kinderen minder vaak en minder ernstig ziek worden dan volwassenen en er dus minder noodzaak was om kinderen te testen. Zeker in het begin, toen de criteria om te testen veel strikter waren.
Ondanks het feit dat er minder getest wordt bij kinderen, zien we toch dat het percentage positieve testen bij kinderen ook een stuk lager is dan bij volwassenen. Gemiddeld is dat 1,8% in vergelijking met 6,3% bij volwassenen. Het is iets hoger bij de kinderen jonger dan 1 jaar, maar bij de kinderen van 1, 2, 3 jaar is het zeer laag en dan neemt het geleidelijk aan toe. Maar over het algemeen blijft het wel een stuk lager dan bij volwassenen. Ook het totaal aantal bevestigde COVID-gevallen bij kinderen is laag. Ongeveer 2,5% van alle COVID-gevallen die bevestigd werden in die periode, werden vastgesteld bij kinderen. Niettegenstaande kinderen wel 20% van de bevolking uitmaken. Betreft besmettingen op school. Er werden gegevens verzameld door het Vlaamse CLB, als ook door hun Waalse tegenhanger, de Service de Promotion de la Santé à l'école. In totaal werden in deze periode 378 COVID-gevallen gemeld op scholen, waarvan 270 leerlingen en 108 personeelsleden. In navolging van die positieve gevallen werden er heel wat mensen in quarantaine gezet. Klassen werden gesloten of scholen werden soms gesloten. In totaal werden 4.715 mensen preventief thuisgezet, waarvan 94% leerlingen en 6% leerkrachten. Dit was nodig omdat deze personen mogelijk contact hadden gehad met een besmette leerling of leerkracht. Wanneer zo'n contactpersoon op zijn of haar beurt ook COVID ontwikkelt, noemen we dit een secundair geval. Slechts 1% van deze mensen heeft gedurende deze quarantaineperiode uiteindelijk COVID-symptomen ontwikkeld of werd COVID bevestigd bij deze personen. Het gaat om 11 personeelsleden, waarvan men dus vermoedt dat ze mogelijk op school zijn besmet geweest. Dit vertegenwoordigt 4,7% van het personeel dat in quarantaine werd geplaatst. Bij leerlingen ging het om slechts 36 kinderen die waarschijnlijk COVID opgelopen hadden op school. En dit vertegenwoordigt slechts 0,8% van de 4.472 kinderen die in quarantaine werden geplaatst. We kunnen dus stellen dat dat percentage van secundaire besmettingen op school erg laag is. Om een idee te geven, in de thuissituatie weten we dat een patiënt gemiddeld 10-20% van de andere leden van het huishouden zal besmetten. Dat ligt veel hoger dan de cijfers die we op school rapporteren. Betreft de hospitalisaties van kinderen. We beschikken over gegevens van 70% van de kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen. Het is belangrijk om te vermelden dat deze gegevens in het rapport waarover we nu spreken geen betrekking hebben op de zogenaamde Kawasaki-achtige ziekte. Dit is een aandoening die soms wordt vastgesteld bij kinderen na een COVID-infectie. Voor deze specifieke aandoening wordt er een apart systeem gebruikt en een apart register. Dat is niet opgenomen in deze cijfers dus. In totaal werden er 267 kinderen in het ziekenhuis opgenomen omwille van COVID. Dit vertegenwoordigt slechts 1,6% van het totaal aantal kinderen waar het virus werd vastgesteld. Ook dat is heel wat lager dan het percentage dat we zien bij ouderen. Bij mensen boven de 65 wordt al gauw 10% of meer van de personen met COVID in het ziekenhuis opgenomen. Het valt ook op dat de piek van de ziekenhuisopnames bij kinderen samenvalt met de piek bij volwassenen, namelijk in de week van 22 tot 28 maart. Ongeveer evenveel jongens als meisjes werden opgenomen. En over het algemeen waren het vooral de allerjongsten die in het ziekenhuis werden opgenomen. Ongeveer de helft van alle opgenomen kinderen waren jonger dan 1 jaar en een derde was jonger dan 3 maanden. Dit heeft waarschijnlijk grotendeels te maken met de grote mate van ongerustheid en voorzorg die genomen wordt wanneer zo'n klein kindje symptomen ontwikkelt, zoals koorts,
en wanneer het virus wordt vastgesteld bij zo'n jong kind. De kinderen werden meestal reeds opgenomen 1 dag na het begin van de symptomen. Over het algemeen ging dit om koorts en hoest. Ook de opnameduur van kinderen was over het algemeen kort en bedroeg gemiddeld zo'n 3 dagen. Slechts een klein deeltje van de kinderen, zo'n 13%, die in het ziekenhuis terechtkwamen, hadden reeds onderliggende gezondheidsproblemen, zoals zwaarlijvigheid, een gestoorde afweer of diabetes. Het merendeel van deze kinderen ontwikkelde uiteindelijk geen ernstige complicaties. Ernstige complicaties werden waargenomen bij 19% van de gehospitaliseerde kinderen. En slechts 7 kinderen, of 3%, van de opgenomen kinderen hadden uiteindelijk intensive care nodig. De meest ernstige complicaties werden vooral gezien bij kinderen ouder dan 1 jaar. In deze studie werden geen sterfgevallen onder kinderen gerapporteerd. Het is wel zo dat buiten deze studie 1 sterfgeval werd gemeld bij een meisje van 12 jaar, waarover we in het verleden ook al bericht hebben, en later nog, meer recent, bij een meisje van 3 jaar. Jammer genoeg. Deze Belgische gegevens bevestigen, net als heel wat buitenlandse studies, dat kinderen minder vaak COVID ontwikkelen, dat secundaire besmettingen op school minder vaak voorkomen dan bijvoorbeeld in het huishouden, en dat kinderen zelden ernstige ziekten ontwikkelen. Indien kinderen toch in het ziekenhuis terechtkomen, verblijven ze daar meestal slechts kort. En dan nog een laatste puntje, betreft de aanpassing van de kleurcodes voor de Europese landen, voor onze reizen. We willen u nogmaals op wijzen dat straks om 4 uur de kleurcodes van de Europese landen weer zullen aangepast worden op de website van Buitenlandse Zaken. Zoals u weet raden we af om naar een oranje zone af te reizen en is het in principe verboden om naar een rode zone te reizen. Bij terugkeer uit een rode zone moet u ook een test laten uitvoeren en 2 weken in quarantaine gaan. Bij terugkeer uit een oranje zone wordt dit aanbevolen. In het bijzonder wanneer u een risicovolle activiteit hebt uitgevoerd in een oranje zone, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van familie of deelname aan het nachtleven, is die quarantaine belangrijk. Een aantal regio's gaan straks weer van kleur veranderen. En we willen daarbij toch in het bijzonder waarschuwen voor Spanje en Roemenië, waar de besmettingsgraad hoog is en mogelijk nog hoger gaat worden in de komende dagen. In Roemenië kleuren de meeste regio's rood. In Spanje is het zo dat meer en meer regio's rood beginnen kleuren, of oranje, zeker in het noorden van Spanje. En de situatie kan ook snel evolueren in andere delen van Spanje. Let daar dus voor op. Ook Malta kleurt ondertussen rood. Reizen houdt nog steeds een risico in en de situatie in Europa kan snel veranderen. Controleer daarom steeds goed de situatie in uw bestemming. Kies in principe groene zones en hou u ten allen tijde aan de gouden basisregels, ook als u in het buitenland bent. Dan wens ik u nog een fijne dag en dank u voor uw aandacht. Nous sommes à la veille d'un beau week-end. Nous quittons heureusement cette vague de chaleur. Le temps devrait être un peu moins tropical. Nous serons nombreux à vouloir nous lancer dans une escapade pour profiter du temps estival. Heureusement, nous sommes dans un pays qui compte une multitude de lieux magnifiques à découvrir ou redécouvrir. Nos régions vous en donnent un aperçu sur leur site web, visiteflanders.com, visitewallonia.be ou visite.brussels. Il existe de nombreuses alternatives pour éviter les endroits habituels, forcément très, voire trop fréquentés. Ça tombe bien puisque l'objectif reste de continuer à éviter les trop grandes concentrations de personnes. Le coronavirus n'a pas pris son week-end du 15 août et le respect des consignes de distanciation reste primordial pour ralentir la transmission du virus. Si vous prévoyez une sortie, les sites touristiques ou culturels ont adapté leur fonctionnement pour vous accueillir en toute sécurité. Informez-vous
Le plus simple, c'est de consulter leur site web. Du moment le plus propice, ainsi que des mesures prises sur place. Une fois sur place, si vous constatez qu'il y a trop de monde, revenez un peu plus tard ou changez de plan pour une alternative. Comme nous l'avons dit, il existe foule d'alternatives intéressantes dans notre pays. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas le moment d'aller en masse sur la côte. Nombreux veulent pouvoir s'y rendre, mais tous au même moment, ce n'est pas possible. Pour lutter contre la transmission du coronavirus, les autorités locales ont pris des mesures particulières, port du masque, système de réservation pour certaines plages. Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site web lelittoral.be. Vous retrouverez aussi sur ce site un baromètre d'occupation des plages et nous conseillons à tous ceux qui prévoient de se rendre à la côte dans les prochaines semaines de consulter ce baromètre. Par plage, vous allez avoir une tendance du nombre de personnes présentes sur les lieux. Si le baromètre est au vert, tout va bien. Cela veut dire que la situation est calme ou est agréable, pas de problème. Si par contre le baromètre vire au jaune ou à l'orange, nous vous déconseillons de vous rendre sur place. Ça veut dire que la plage est trop dense. D'autres mesures ont également été prises pour garantir que le tourisme côtier se déroule dans le respect de la santé de tous. À titre d'exemple, une partie des trains supplémentaires ajoutés habituellement par beau temps vers Ostende, Knokke ou Blankenberg ne seront pas mis en service dans les jours à venir pour limiter le trop grand nombre de personnes arrivant sur place. À côté de cela, pour éviter évidemment de voyager dans des trains bondés, la SNCB limitera l'embarquement de ces trains pour ne pas dépasser 80% du taux d'occupation. Vous pouvez consulter le site internet de la SNCB pour plus d'informations relatives à vos déplacements. Que ce soit en train, en voiture, à pied ou à vélo, nous invitons tout le monde à profiter de ce week-end de manière responsable. Le 15 août à la mer, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Nous pouvons profiter du beau temps d'une tas de façons, de manière différente. Nous sommes en Belgique, 11 millions d'habitants. Chacun a sa raison de suivre les règles d'or. Une de ces raisons pour certains d'entre vous, c'est peut-être de pouvoir profiter à nouveau d'une journée à la mer en toute sérénité. Maintenons le cap pour nous permettre d'y arriver. Bon week-end. Goedemorgen. Het is vrijdag. Straks begint voor de meeste mensen toch het weekend. Het belooft een mooi weekend te worden. Gelukkig kunnen we de tropische temperaturen van de afgelopen dagen achter ons laten. Wordt mooi, aangenaam zomerweer voorspeld, maar voor een uitgebreid weerbericht verwijs ik u graag door naar de gekende weermannen en weervrouwen. Hoe dan ook, heel veel mensen zullen er dit weekend in gezinsverband op willen uittrekken om te genieten van het aangename zomerweer. Ons land kent gelukkig heel veel leuke, vaak ongekende plaatsen waar we in gezinsverband kunnen ontspannen. De verschillende overheden stellen deze plaatsen graag aan u voor op hun website. Ik ga dus zeker eens een kijkje nemen op bijvoorbeeld VlaanderenVakantieland.be, visitwallonië.be en visit.brussels. Er zijn dus voldoende alternatieven om drukke, voor de hand liggende plaatsen te vermijden. Bijeenkomsten van veel mensen moeten we nog steeds vermijden. Het virus kent echter geen weekend. Het respecteren van de fysieke afstand is en blijft dan ook van kapitaal belang om de overdracht van het virus af te remmen. Als je van plan bent om erop uit te trekken dit weekend, informeer je dan vooraf over de maatregelen die daar gelden en over de voorspelde drukte. Als het te druk is, zoek dan een alternatief. Zoals we reeds hebben aangegeven, er zijn voldoende leuke manieren en alternatieven om te ontspannen in ons land. Eén ding is zeer duidelijk, het is niet het moment om massaal naar de kust te trekken. Samenscholingen, bijvoorbeeld op het strand, moeten we nu vermijden. De bezetting van het strand kan je online raadplegen via de website www.dekust.be. Op deze website vind je ook een overzicht van de maatregelen die genomen zijn door de lokale overheden in het kader van het coronavirus. We raden iedereen aan die plannen heeft om de komende weken naar de zee te gaan, om deze website te raadplegen en zeker de barometer, de druktebarometer, te consulteren. Als deze barometer op lichtgroen, rustig of groen staat, wat staat voor gezellig drukte, is er geen probleem. We raden echter iedereen af om toch naar de kust te gaan,
als dit op geel staat, wat betekent druk. Om het toerisme aan de kust te laten verlopen met respect voor de coronarichtlijnen, zijn er de nodige bijkomende maatregelen genomen. Zo wordt een deel van de extra treinen die normaal worden ingelegd bij mooi weer geschrapt richting Oostende, Knokke-Heist en Blankenbergen. Controleer dus zeker op voorhand de website van de NMBS. Een bijkomende maatregel is ook dat de treinen met een maximum bezetting van 80% rijden. Als deze capaciteit is bereikt, is het niet meer mogelijk om voor dagtoeristen op te stappen. Het is duidelijk, deze maatregelen zijn niet aangenaam, maar ze zijn wel noodzakelijk voor de gezondheid van ons allemaal. We roepen iedereen dan ook op om op een verantwoorde manier, waar dan ook in het land, te genieten van het weekend. Een dagje zee is één van de mogelijkheden om te gaan ontspannen. Maar raadpleeg zeker de verschillende websites en ga op zoek naar leuke alternatieven om in gezinsverband te genieten van dit weekend. Iedereen heeft zijn reden om de 6 gouden regels te volgen, te respecteren. Ongetwijfeld zijn er een aantal mensen die de regels naleven om weer snel te kunnen genieten van een dagje zee. We zijn met 11 miljoen Belgen. Iedereen heeft zijn reden om de gouden regels na te leven. Op deze solidaire manier krijgen we samen het virus klein. Geniet op een verantwoorde manier van het aankomende weekend. Dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar de vragen van de journalist. Sommige experts hebben het over een mogelijke verbreiding van de bubbel van 5. Wordt dit verwacht voor de deadline van de 29e? Het is zo dat momenteel, en dat is op aangeven van de expert en rekening houdend met de situatie, onze bubbel, onze sociale bubbel van nauwe contacten is beperkt tot 5. Dit was een maatregel opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en voor 4 weken. Nu is het zo dat dat zal bekeken worden samen met de experten door de volgende Nationale Veiligheidsraad. En dat zal inderdaad geëvalueerd worden of er een mogelijkheid is om die bubbel uit te breiden. Maar momenteel, tot eind van deze maand, blijft deze regel op 5 staan en moeten we ons sociale contacten beperken. Certains experts laissent sous-entendre un possible élargissement de la bulle de 5 personnes. Est-ce effectivement prévu avant l'échéance du 29? Alors cette décision, elle revient au Conseil national de sécurité qui va prendre cette éventuelle décision sur base de l'évolution de l'épidémie dans le pays et sur base des avis du groupe multidisciplinaire d'experts qui le conseille. Ce qui est le plus important à garder en tête pour le moment, c'est qu'il faut qu'on continue maintenant à respecter cette mesure, parce que c'est en respectant cette mesure maintenant qu'on va agir sur la courbe, et c'est en agissant sur la courbe qu'on va pouvoir peut-être aller vers un assouplissement de la mesure par la suite. Quel est votre positionnement concernant la rentrée des classes, après l'appel des pédiatres pour un retour à l'école de tous les enfants à temps plein dès le 1er septembre? Alors nous partageons complètement l'avis des pédiatres qui se sont exprimés dans une carte blanche. Nous pensons qu'il est extrêmement important que les enfants puissent retourner à l'école, tant sur le plan de l'éducation que le plan psychologique. Alors du côté francophone, on sait que le ministre de l'Éducation, Caroline Désy, va rassembler aujourd'hui les différents acteurs de l'enseignement pour fixer les modalités de cette rentrée scolaire et en se basant notamment sur les avis du groupe d'experts, le GEIS, qui en a fourni et se basant encore et pour définir dès lors les modalités pratiques de cette rentrée. Vous aurez très probablement un communiqué de presse à la fin de cette réunion. Wat is uw standpunt voor de start van het volgende schooljaar, nadat de kinderartsen hebben opgeroepen voor een voltijdse terugkeer naar school voor alle kinderen vanaf 1 september? Wel, zoals we net hebben voorgesteld, blijkt uit de Belgische gegevens, net als uit zoveel andere buitenlandse studies, dat kinderen zelden erg ziek worden omwille van COVID. Ze kunnen weliswaar besmet worden.
Ze kunnen het virus ook doorgeven, maar het lijkt er toch op dat kinderen wat minder besmettelijk zijn dan volwassenen, zeker in een schoolomgeving. Daartegenover staat dat het uitermate belangrijk is dat kinderen naar school kunnen gaan, zowel voor hun vorming, voor hun welzijn, als voor hun algemene gezonde ontwikkeling. Dat werd recent nog terecht bekrachtigd door de pediaters. Ik denk dat dat toch een echte prioriteit moet blijven. Het is zo dat vandaag het kabinet van minister Weitz overlegt samen met de verschillende onderwijskoepels op basis van het advies van de experten van de GEES-groep om na te gaan op welke wijze het onderwijs terug zal kunnen opstarten. Ik denk dat het belangrijk is dat het goed kan opstarten, zo volledig mogelijk, maar weliswaar met voorzorgen, mits een aantal voorzorgsmaatregelen die er toch voor zorgen dat het virus ook op school zoveel mogelijk kan ingeperkt worden. Met behulp van bubbels en andere modaliteiten. Maar daar zal later nog meer over gecommuniceerd worden. Oké, dankjewel. Er zijn geen andere vragen. Dan rest er mij niets anders dan jullie te bedanken voor die aandacht. Ik zou zeggen, geniet van het weekend, maar op een verantwoorde manier. Dankjewel en tot maandag voor de volgende persconferentie.